Salut à tous, et Kiwi, on retrouve Randall pour le deuxième épisode de Deadlight Director's Cut sur PlayStation 5. Les petits amis, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures. Et on continue, doucement, mais sûrement. Alors attendez, comment on descend déjà? Normalement là je suis censé m'accrocher, non? Non, ok, non. Parce que peut-être qu'on est... On n'est pas assez haut. Peut-être, peut-être. On verra bien. On peut pas mettre des coups de hache vers le haut. Et comme je vous disais, hein, juste avant de reprendre l'enregistrement, je suis retourné chercher un mouchoir bleu. Il y a quelque chose d'inscrit dessus. Le nouvel ordre. The new law. They mark their kills. That's some kind of message. As if this world isn't already dark enough. Comme je disais, je suis retourné chercher le truc qui m'a augmenté ma vie max. Merde. Oh, il y a trop du monde là. Il y a trop du monde. Ok. On peut descendre par là? Vas-y, descends, lâche ça. Est-ce qu'ils vont ramper par en dessous? Non. Pas du tout. Seattle isn't a safe place. Everyone I care about is in danger. Ah, effectivement, là on peut se lâcher en contrebas. Oh, le décor de fond là, c'est du plus bel effet. Hein. Y a beaucoup de monde là. Vas-y, redresse-toi. Vite. Ouais. Je peux le fumer lui ou pas? Il m'a déjà croqué, hein. Je peux le fumer. Oh, il y a trop de monde là, il y a trop de monde. Je me casse. J'aurais bien voulu, mais j'espère qu'il n'y avait rien à fouiller. Ok. Pas cool ça, pas cool ça. Il y a une porte par là. Il y a un truc à casser par ici. Est-ce que je peux les éclater là? Peut-être, hein. Là je suis assez haut pour ne pas me faire croquer ici et pouvoir leur exploser la tête, non? Contente? Je vais me faire croquer les pieds. Allez, fais pas ça. Non! Non! Mais non! Pourquoi tu fais ça, Randall? Voilà, comme ça. Ma vie, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout. Vous êtes à court d'endurance. Ouais, je sais, je sais, je sais. J'explose des têtes aussi. Hein. Et en même temps, c'est un peu normal. Hein. J'aimerais bien fouiller la porte, là. Je sais pas si... c'est inutile ce que je fais, mais... Allez, j'aimerais bien me débarrasser d'eux, là. Bon, attendez, je vais faire un test. Faire un test. J'ai dit, je vais faire un test. Je... J'ai dit, je veux faire un test. Oh. Allez, venez. Venez, c'est pas grave. Je vais faire un test comme ça. Plus rien ici.
Oui. Parfait ça. Ok. The news was right. Something big happened in the city. People went to war against the shadows, military and common man alike. It didn't end well. Ah, effectivement, ça ne s'est pas bien passé du tout même. On peut rien fouiller là ? Par là peut-être, non plus. Allez, descends, Randall. On peut grimper ici ? Non, ça ne marche pas. Oh, je le sens pas ça. Je le sens pas du tout ce délire. Oh non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi Attends, il n'y a pas un zombie là allongé en plein milieu? Si, hein, je crois. Ça, non? Peut-être marcher doucement comme ça? Ok, est-ce qu'on peut tous les attirer dans le dans l'arc électrique là? Allez, venez les gars, venez. Venez par là. D'accord. Ok. Je comprends mieux. Et attendez, parce que moi je suis curieux. Je suis curieux. J'ai envie de savoir. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Il faut qu'on escalade ici. Oui. Parfait, c'est propre ça. Oh, qu'est-ce que c'était? Ça a fait un truc ou pas? Ça a éclaté le zombie? Attendez, j'ai envie de fouiller pour voir si ça nous a déglagé un truc ou pas du tout. Pas du tout. Ça n'a strictement rien fait. Strictement rien fait, je perds mon temps pour pas grand chose. Non, de l'autre côté, Randall. Mais qu'est-ce que tu me fais? Waouh. Alors, ok. Alors, on est donc comme ça, quoi. Qu'il y avait un truc par là-bas. Est-ce que je le tente? Voilà. Je l'ai tenté, j'ai un peu stressé, mais j'y suis arrivé.
aïe, aïe. Il va casser la vitre, lui. On peut les buter, eux, ou pas? Je vois un cadavre, là. Attendez. Y'a rien, y'a rien, y'a rien. Y'a rien. Oui. Bien esquivé. Oui, aïe. Non, attendez. Non mais pourquoi il veut pas me faire un jump sur le mur là? Voilà, je t'ai coupé en deux. Tiens, non, toi ça n'a rien fait. Statut mise à jour. J'ai peut-être raté des trucs à lire hein, depuis le début, il me semble. J'ai du mal à oublier la tragédie à laquelle j'ai assisté tout le long de la route. Tant de cadavres donnés en pâture à l'armée des morts. En chemin, j'ai entendu un message radio qui parlait de la zone de sécurité. C'est là-bas que se sont rendus les survivants. S'il y en a, y compris ma femme et ma fille. Ça marche. Pour rebondir contre un mur. D'accord. Ça, je le sais, ça. Ça, je le sais que trop peu. Un papier avec dessiné à la main, une carte pour se rendre à la zone de sécurité. Elle indique certaines rues de Seattle et l'emplacement de la zone de sécurité, mais c'est quasi incompréhensible. Allez, vas-y, grimpe-moi tout ça. Pas de zombies là? Non, ok, j'ai pas sauté au bon moment. On va retenter. A raté? Dis donc. Ah yes! Allez, progressons. Pour faire un roulé-boulé et éviter les dégâts, appuyez sur R2 lorsque vous retombez. D'accord. Non, L2. Ah, ça nous... Ok, ça marche. Oui. Excellent. Qu'on passe par là ou... Je vois une fenêtre ouverte là, je vois des rideaux. Je pense que c'est la suite du chemin mais... J'ai un doute. Ah. Peut-être que le rideau là-bas c'était une zone secrète. On sait jamais hein, s'il s'agit d'une zone secrète ou pas, c'est Donc c'était bien ça. La copie d'une page d'un vieux livre de médecine générale. Certains passages sont surlignés, le contact direct avec les fluides corporels contaminés. D'accord. J'ai pas eu le temps de lire. Je pense que vous, oui. C'était sûrement le chien de la famille, ça, non? En tout cas, les petits décors comme ça, c'est plutôt stylé, hein. On va passer comme ça. Le sol craque un peu beaucoup trop à mon goût. Oh, music box. Shannon gave Lydia one just like this for her birthday. Were they here? A slaughtered family and another graffiti signed by the new law.
This is what happens to those who steal from death. Donc voilà ce qui arrive à ceux qui croisent la route du Nouvel Ordre. Ils massacrent tout le monde et ils laissent des inscriptions sur le mur. Il y a des zombies là. Attendez, il y a des zombies là-dedans. Une page de mon journal, ça m'intéresse pas. Et je fais comment là? Je sens que là je vais mourir là, non? Je sens que je vais mourir. Est-ce que on peut s'accrocher à ça? Oh, mais bien évidemment. Bien évidemment. Alors, comment il faut faire? Je vois qu'il y a des zombies. Je pense qu'il y a un truc par là-bas. Ah, vas-y, mais descends, hé. Rendal, arrête tes conneries. Merci. Je pense qu'on peut péter la vitre et revenir par là. Vas-y, je vais les attirer. Venez par ici les cocos, venez par ici. Voilà, venez par là. Allez, venez par ici, venez par ici. Someone took care of them the quick way. Above their heads, another one of those graffitis. There's one on almost every corner. Dogs pee. Mais je fais comment là? Ah mais oui! On peut pas couper le câble? Attends, attendez. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, hein. Et je fais comment, moi? Je fais comment, là? Qu'on m'explique, quoi. Oh! Est-ce qu'il faut que je saute sur ça? Ah, merde. Allez, s'il te plaît, quoi. Ah, oh, putain. Relou, quoi. Someone took care of them the quick way. Above their heads, another one of those graffitis. There's one on almost every corner. Dogs pee. Je ne sais pas comment faire. Ah oui. Oui, ok. Mais je pensais qu'on pouvait pas, quoi. J'ai pas compris le truc du jeu là. Attendez, ça va attirer du monde si je fais ça. J'ai trouvé le revolver 38 spécial. The days of wasting bullets have passed. In Kayshan, we shot at anything and everything. Well, the days of wasting bullets are gone, Randy. I'm not sure you ought to do it. Ben Parker, since when did you ever have a problem with excess? I need to learn how to shoot this thing.
I'm sure I'll need it. This ain't like the rifle you carry in the mountains. First, you need to load it. The key resides in being quick, like those guys in the casinos with cards. Je trouve ça sympa qu'il nous montre un petit entraînement là. Genre dans ses souvenirs, pour pas qu'on ait besoin de tirer lorsqu'on est en plein milieu de l'apocalypse zombie. Donc recharger. Well done, comrade. Now you'll have to show me your aim. Try to shoot that can over there. That'll be easy. Alors, tirer avec la canette. Tirer sur la canette. Utiliser ça pour viser et tirer avec R2. Ah oui, d'accord. Voilà. Kid, I like your style. But let's think of something harder. Oh merde. Hey, you see that crow? Plunk it before it flies off. I think it's time to do something about this poor bastard. It's cruel to leave him tied up like that. Let's put him out of his misery. Attendez, on peut le voir de là? Si loin? There's no glory in killing the dead a second time. This is just what it means to survive now. Make sure you always aim for the head, Randy. Always in the head. Ok, de retour dans l'apocalypse. Donc j'ai mon arme. Y a quoi là? J'ai trouvé des balles. Voilà. Et là je vais pouvoir tirer sur ça. Voilà, tirer sur le cadenas pour continuer. Vas-y, recharge. On va prendre encore un peu de munitions tant qu'on est là. Et on se casse. Ok, est-ce qu'on va trouver quelques trucs en haut là? Quelques... Non, rien du tout. Oh putain, l'endurance quoi. That's Parker's motorhome. Ok. Allez, vas-y, pousse-toi de là, là. Yes. Statut mise à jour. Quelque chose d'affreux s'est produit ici. C'était plus qu'un abandon. Il y a eu des combats importants. Les gens ont résisté, mais comment? Était-ce les militaires? La scène semble tout droit sortie d'un film. C'est effrayant de penser que c'est la réalité. Tout ça semble si impossible. Il n'y a rien à fouiller par là. J'aimerais bien ne rien rater, quoi. Par où on grimpe, là? Ah, comme ça. Bon, on peut pas tous les buter les mecs là, non? Vas-y, recharge. Ah, ça ne sert à rien d'aller les attaquer eux. Wow! Waouh, waouh, waouh! Je vais l'éteindre. D'abord, je vais passer par là. On sait jamais, petit coup de sécurité. Une salle de bain avec une échelle, non? C'est quoi ça? C'est le couloir? Ça
that water ah, ben tower voilà. looks weak. I could tackle it down. La structure est endommagée, mais le réservoir est rapide. Voilà. A waste of precious drinking water. But I have to find my friends, my family. The fire should be out now. Vas-y, ferme la porte, sait-on jamais. Des zombes. Jusqu'où ils vont venir? Ok. Oh, il y en a encore un qui arrive de là-bas. Ah, excellent. Comme il s'est pété la gueule. Tu vas te relever ou pas du tout, toi? Ouais, vas-y, je me casse sans toi, là. Voilà, comme ça. Mon endurance, c'est bon ou pas, là? C'est tout, tout délabré ici là. Oh, calmons-nous, calmons-nous. Une main courante déposée auprès des services de police de Seattle, la plainte porte sur les menaces constantes proférées par le voisin du deuxième étage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait un fusil, un truc comme ça? Il y a un zombie là. Hop là, goodbye stranger. Un petit trophée pour l'avoir fait basculer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, t'es mort ou pas? T'es mort là? T'es mort non? Pour l'avoir fait basculer à travers la fenêtre. Ah, on traverse la structure, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Non? Quelle idée à la con. Attendez, je l'ai déjà lu ça ou pas? Ouais, je l'ai déjà lu. Ok. I kill you, freaks. Ça, ça veut dire créature, freaks, hein. C'est ça. Hein. Il me semble avoir déjà lu des bandes dessinées ou avoir vu des petites séries d'Halloween. Et je crois que dans le titre, il y avait le mot freaks. Ah ouais. Voilà. Parfait. Ah, j'ai bien fait de venir là. Une petite balle de flingue. Moi, ça me va. Allez, vas-y, crapahute là-haut. It seems that those planks block up the way to the rooftop. I think that those shadows might be of help to me. Exactement. On va les faire venir pour que ça craque sur eux là. Allez, venez. Venez par ici. Allez, come on. Oh oui. La 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 la. Mais du coup, elles sont mortes ou elles sont pas mortes? Ah, attendez, il y a un truc là, par terre, non? C'est pas ce que je voulais faire. Ah, il y avait un truc à fouiller par là. Freaks. Looks like somebody had a hard time with the end of the world. Everybody reacts to fear differently. Effectivement. Il y a un passage par là. Et
Écoutez, les petits amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va reprendre très rapidement dans le troisième épisode, hein, très exactement. Je vous dis à la prochaine. Désolé si je ne commande pas comme un petit foufou sur cette série, mais je vous avoue que ça m'angoisse un petit peu de jouer à ce genre de jeu, mais j'avais envie de le faire sur la chaîne, donc voilà, quoi. Je retiens un petit peu mes frayeurs. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Bye.